Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 28 mai sur l'hippodrome de Clairefontaine. Avant d'aborder celui du 28, revenons sur le quintée plus du 26 mai qui avait lieu du côté de Dieppe. Comme prévu, notre favori, le numéro 2 d'Alvini, que nous vous conseillons à la gagne, l'emporte à la cote de 3 euros. Top Prono et Turf Sélection font fort, notamment le dernier cité qui donne tiercé ordre de 215 euros, quintet des ordres de 167 euros et surtout le quartet dans l'ordre de plus de 1462 euros. Pour ce qui est du concours de pronos gratuits, trois belles performances sont à souligner. Teila 83, FH32 PA 59 et Patatric donnent le quintet des ordres ainsi que les bonnes bases et marquent plus de 400 points au classement général. Bravo à tous les trois! Allez, abordons maintenant le tiercé quarté quinté plus du jeudi 28 mai 2020 qui se concourra sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Le prix du pont au change, sixième course de la Réunion 1, verra son départ être donné à 13h50 pétante. Sur le parcours des 1400 mètres de la piste en gazon, 13 galopeurs de qualité seront au départ de cette classe 2. En théorie, de bons favoris se détachent, mais pas simple de trouver le nom de celui qui franchira le poteau en pole position. Écolo, le numéro 10, sera notre timide favori pour cette compétition. Ce représentant de la casaque des frères Vertemer est largement capable de mettre tout le monde au pas pour sa réapparition s'il est dans un bon jour. Tonnancourt, le numéro 1, doit être retenu très haut dans un classement. Performant l'année passée, il effectue une rentrée attendue et visera logiquement d'emblée le succès dans ce quintet plus puisqu'il est associé au talentueux Pierre-Charles Boudot. Midnight Chime, le numéro 5, est un cheval de qualité entraîné par un metteur au point de grand talent nommé André Fabre. Logiquement, sur sa meilleure valeur, il peut monter sur le podium. Alba Power, le numéro 2, a énormément de vitesse. Pas toujours facile à saisir, il aura pour avantage de souvent courir bien frais. Urval, le numéro 6, portera une casaque qui connaît souvent une grande réussite. Présenté par Jean-Claude Rouget, l'insatiable, il peut faire sensation ici. Taquendo, le numéro 11, deuxième atout de la casaque Vertemer, peut une nouvelle fois conclure dans les 5 premiers. Si non partant il venait à y avoir, Rimini, le numéro 7, entrera alors dans notre combinaison en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un excellent quintet plus et à demain pour une nouvelle minute quintet.